Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de la possibilité d'avoir un permis de travail en seulement 2 semaines au Canada. Alors, ce n'est pas génial ça? Donc, retrouve-moi après le générique, on va détailler tout cela ensemble. Mon futur Canadien, ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je suis venue te parler de la possibilité d'avoir un permis de travail en seulement 2 semaines. Même moi, je n'y crois pas. Là, moi, je n'y crois pas. OK? Alors, moi, je suis de ceux-là qui cherchent les informations sûres avant de dire quelque chose. Alors, je suis allée chercher moi-même et c'est ce quoi on va partager ensemble aujourd'hui. Alors, mes amis, aujourd'hui, on va parler de cette possibilité d'avoir le permis de travail en 2 semaines, ok? Comprenez bien, oui, on peut avoir le permis de travail en 2 semaines, mais ça dépend de la profession et ça dépend de beaucoup de choses dont on va discuter aujourd'hui. Alors, ce programme-là s'appelle le programme des volets mondiaux. Ça veut dire que c'est spécifique à certaines professions. Donc, comment ça se passe? Donc, si vous avez une entreprise qui remplit les formalités demandées, l'entreprise va vous donner un permis de travail et ensuite vous allez pouvoir demander votre permis de travail. J'ai déjà fait une autre vidéo pour vous dire comment présenter votre demande de permis de travail. Donc aujourd'hui, on va juste voir les critères pour pouvoir déposer cette demande de permis de travail et l'avoir en seulement 2 semaines. Et pour ça, je vais utiliser mon téléphone parce qu'il y a beaucoup trop d'informations que je ne peux pas retenir. Et voilà donc ce qu'ils disent. Ils disent comment bénéficier du traitement en 2 semaines. La première chose, il faut présenter votre demande étant à l'extérieur du Canada, bien évidemment, ok? C'est bien pour vous parce que je sais que la plupart qui me suivent là sont à l'extérieur. Il faut soumettre une demande dûment remplie. Troisième chose, il faut joindre votre examen médical. Pourquoi? Parce que bien évidemment, tu veux l'avoir en 2 semaines, donc on ne veut pas prendre le... Il n'y aura pas le temps que tu déposes d'abord et ensuite on te demande de faire ton rapport. Ça va dépasser les 2 semaines. Voilà pourquoi en envoyant directement ta demande de permis de travail, on t'exige d'envoyer ton examen, le rapport de tes examens médicaux. Quatrièmement, il faut joindre les certificats de police au besoin. Et ils disent aussi ici que pour le rapport d'examen médical, c'est aussi au besoin. Donc, possiblement, ça va dépendre de quand tu vas remplir ta demande. Parce que comprenez bien que quand vous remplissez une demande, on vous pose certaines questions. Ça, c'est pour ceux qui font en ligne. Si c'est sur papier, il faut aller à l'ambassade. C'est là-bas, il y a des personnes autorisées et plus compétentes que moi qui vont vous dire si oui ou non vous devez joindre l'examen ou alors si vous devez mettre votre certificat de police parce qu'ils ont mis au besoin. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit mettre ces documents-là. Maintenant, qui doit ou qui ne doit pas, je n'ai aucune information, ils ne l'ont pas mentionné. Donc, il serait mieux d'aller voir l'ambassade si vous le faites du papier. Et en ligne, je pense qu'en fonction des réponses que vous aurez mises, on va vous donner une liste des documents à télécharger. Et je pense que là, vous allez savoir si vous devez mettre le rapport ou pas. OK? On dit qu'il faut joindre une traduction certifiée conforme si les documents que vous téléversez ne sont pas en français ou en anglais. Vous devez faire une traduction. Et ça, c'est pour n'importe quel programme. Tant que vous avez vos diplômes en français ou en anglais au Canada, puisque c'est un pays bilingue, il vous permet de ne pas faire la traduction. Mais si c'est dans autre langue, là, il faut faire la traduction. Ensuite, on dit qu'il faut joindre les frais de traitement. Et je pense que pour le permis de travail, c'est 155 dollars seulement. Et il faut soumettre vos données biométriques dans les 2 semaines suivant l'envoi de votre demande au besoin. OK? Donc, une fois de plus encore, ce sont ces gens qui sont mieux adaptés pour te dire. OK? Maintenant, on va regarder du côté de l'employeur. Quelles sont les exigences et même aussi de votre côté, parce que là, je vais citer vraiment les professions qui sont adaptées à déposer la demande en 2 semaines. Et je vais encore aller une fois de plus avec toi dans le site, parce que là, ils ont segmenté ça en deux. Alors, si tu veux pouvoir passer à travers le volet de traitement d'une demande en 2 semaines, il y a deux conditions séparées. La première chose, est-ce que tu as besoin du code EIMT? J'en ai longuement parlé dans la chaîne. Sachez que pour qu'un employeur vous embauche, il demande un code EIMT ou pas.
Alors, on a deux options. Premièrement, est-ce que l'employeur a besoin du code EIMT ou alors est-ce que l'employeur n'a pas besoin du code EIMT? Et voilà ce qu'ils disent. Si l'employeur n'a pas besoin de code EIMT, vous pouvez présenter votre demande en 2 semaines si vous respectez ces exigences-là. OK? Alors, la première exigence, vous devez présenter votre demande, bien évidemment, à l'extérieur du Canada. Deuxième, votre emploi correspond au genre de compétence 0 ou au niveau de compétence A. A, ça veut dire poste professionnel. 0, ça veut dire poste de gestion. OK? Donc, ça, c'est selon la classification des professions. OK? Donc, je vais mettre le code une fois de plus pour la classification des professions et vous allez savoir si votre profession fait partie de 0 ou 1. Ça va vous indiquer si vous pouvez faire partie ou pas. Deuxièmement, votre employeur a soumis son offre d'emploi par l'intermédiaire du portail des employeurs et a payé les frais relatifs. Donc, ça, c'est du côté de l'employeur. Il connaît tout ce qu'il doit faire pour pouvoir embaucher. Donc, une fois qu'il a déterminé qu'il n'a pas besoin de code EIMT et que vous avez déterminé que vous êtes dans la formation, en fait, je pense que l'employeur vous dit, OK, l'employeur sait s'il a besoin de code EIMT ou pas, OK, et c'est donc là où, en fonction de ça, toi aussi, tu connais de quelle façon tu dois te faire. Je disais que donc, l'employeur sait s'il a besoin de code EIMT ou pas. En majorité des cas, quand les employeurs ont l'habitude de recruter à l'étranger, ils savent s'ils en ont besoin ou pas, OK? Donc, je vous ai parlé de ces postes compétents. Maintenant, prenons le cas où l'employeur a besoin de ce code EIMT, OK? On dit, si vous devez obtenir EIMT, votre demande pourrait être traitée en 2 semaines si vous répondez à ces exigences-là. La même chose, vous présentez une demande à l'extérieur du Canada. Vous avez obtenu une EIMT favorable par l'intermédiaire des volets des talents mondiaux du programme des travailleurs étrangers temporaires. Et si on part maintenant voir que nous dit le volet des talents mondiaux, quelles sont les professions qu'on retrouve à l'intérieur de ce talent. Quand on parle d'admissibilité, en fait, on est en train de vouloir déterminer les professions admissibles, OK? Et comme j'ai dit, admissibilité, ils ont divisé en deux. On a le volet A, on a le volet B. Donc, ils disent que vous pouvez être admissible à la catégorie A du volet des talents mondiaux si vous avez été orienté vers ce volet par l'un des partenaires désignés. Je ne vais pas citer avec vous les partenaires, mais il y en a nombreux. Et ça, je ne vais pas le faire non plus parce que c'est l'employeur qui doit travailler là-dessus. C'est lui qui doit demander à ses partenaires-là. Ce n'est pas vous. Donc, que vous désirez embaucher des travailleurs de compétences uniques et spécialisées. Donc, apparemment, pour être accepté par ses partenaires, il faut que l'employeur que vous voulez embaucher a des compétences uniques et spécialisées dans un domaine. OK? Donc, après ça, on a la catégorie B qui inclut les formations que je vais citer avec toi. Donc là, je vais te donner la liste donc, de ces professions qui font partie des talents mondiaux. On dit donc que ces professions-là ont été déterminées comme étant des professions recherchées et pour lesquelles l'offre du marché intérieur est considérée comme insuffisante. Une fois de plus, c'est pour vous dire qu'il n'y en a pas, il y a de la pénurie en fait. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens pour couvrir la demande, OK? Donc, on parle ici des gestionnaires des systèmes informatiques. Je vous ai dit que l'informatique ici, c'est grave, hein? On a vraiment besoin des informaticiens. Alors, on parle des gestionnaires des systèmes informatiques, ingénieurs informaticiens, mathématiciens, analystes et consultants en informatique, analystes de base de données, ingénieurs concepteurs de logiciels, programmeurs, développeurs en médias interactifs, concepteurs, conceptrice, développeur, développeuse web, technicienne en réseau informatique, évaluateur des systèmes informatiques, producteur de création et artistique et gestionnaire de projet, designer dans le domaine du média numérique. Et puis c'est tout. Donc voilà dans la liste des professions qui font partie des talents mondiaux. OK? Et comme vous avez vu, ils ont dit que c'est parce qu'il y a vraiment de la pénurie. Là-dedans. Donc, maintenant, tu as le choix. Soit c'est la catégorie A, soit la catégorie B. La catégorie B, c'est ce que je venais de te citer là. Donc, si ta profession ne fait pas partie de la catégorie B, automatiquement, ils disent que ça fait partie de la catégorie A. OK?
Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, on va récapituler ça très rapidement pour vous permettre de comprendre de manière simple le processus. En fait, si tu veux faire ta demande dans le compte des talents mondiaux, il faut que tu respectes certaines exigences. La première, qui est la plus facile, c'est que tu sois parmi les professions que j'ai citées là maintenant et que tu aies trouvé un emploi dans ces professions-là. Une fois que c'est fait, allez, go, tu peux déposer ta demande dans le programme des talents mondiaux. Mais si ça ne fait pas partie de ces professions-là, il faut que l'employeur lui-même ait fait les démarches nécessaires, ait trouvé des partenaires visés selon l'immigration. Et maintenant, il va te donner le formulaire pour te permettre de déposer ta demande en 2 semaines. Et pour ça, il faut juste que il trouve que tu as les compétences uniques et spécialisées. OK? Une fois que c'est fait, que ce soit de l'un ou de l'autre, tu es prêt à déposer ta demande de permis de travail en tant que volet des talents mondiaux et tu vas inclure tous les documents que j'ai cités qui étaient le certificat de police au besoin, le rapport médical au besoin, la traduction au besoin et tous les formulaires en fait. Donc pour savoir tous les formulaires, bien évidemment, tu dois créer ton compte en ligne si tu le fais en ligne ou alors tu dois aller voir l'ambassade si tu veux le faire sur papier. Ils vont te donner tous les formulaires à remplir. Et tu vas le faire et tu vas obtenir ton permis de travail en 2 semaines. Alors, c'est vraiment très facile. Alors, je sais pas ce que vous attendez, guys. Allez, directement, va faire ta demande de permis de travail. Et bien évidemment, l'élément clé, tu le sais déjà, je l'ai toujours répété dans la chaîne, c'est le CV canadien. C'est ça qui va permettre à l'employeur d'être attiré par tes compétences et par tes expériences. Donc, fais-moi un bon CV canadien et je suis sûre que très rapidement, dans les professions que j'ai citées là, surtout informatique, tu vas très vite trouver un employeur qui va être prêt à t'embaucher et qui sait, qui va même être prêt à payer ton billet d'avion et à payer toutes tes procédures d'immigration. Alors, si tu as besoin d'aide pour créer ton CV canadien, je suis là pour ça, ok? Donc, très récemment, j'ai décidé d'offrir mes services pour créer votre CV canadien parce que j'ai compris le besoin, j'ai compris que vous en avez besoin malgré les nombreuses vidéos que j'ai faites pour vous expliquer comment faire le CV. Beaucoup de personnes m'ont sollicité pour le faire et je pense que ça peut t'aider aussi à réaliser ton rêve canadien. Alors contacte l'équipe, c'est facile, à notre adresse. Alors c'était l'instant, c'est facile, toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao! Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet, c'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet. Pour un entretien avec moi, tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir
faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très, 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 très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?